Allez les gars, on perd pas de temps. 5 choses à savoir impérativement sur Assassin's Creed, c'est maintenant. Numéro 1. Assassin's Creed devait être un Prince of Persia. Assassin's Creed a débuté en tant que spin-off de Prince of Persia, intitulé alors Prince of Persia Assassins. L'idée de ce spin-off est arrivée sur la table après qu'ils aient terminé Les Sables du Temps. D'ailleurs, le réalisateur de Prince of Persia Les Sables du Temps, Patrice Désilets, voulait absolument donner une direction complètement différente pour cette série. Il a été fasciné par Hassan Issabor, désolé pour la prononciation, qui a fondé une secte nommée les Nizarites, connue plus tard sous le nom des Assassins. Patrice Désilets, toujours lui, trouvait l'idée d'incarner un prince assez ennuyante. Il est donc parti sur l'idée d'incarner non pas le prince, mais son garde du corps. Les grosses têtes d'Ubisoft se sont alors dit que le jeu ne devrait pas porter le titre de Prince of Persia, puisqu'on incarne finalement pas le prince. Ouais, c'est pas con. Le prince a même été complètement supprimé du jeu, et Assassin's Creed est devenu un titre à part entière. Numéro 2, Assassin's Creed, série phare de Ubisoft. 80 millions d'exemplaires vendus depuis le tout premier Assassin's Creed. Pas grand chose à dire de plus sur ce point, mis à part que finalement ils ont bien fait de pas faire un Prince of Persia. Numéro 3. La voix de Desmond Miles. Nolan North, c'est lui qui donne sa voix à Desmond dans Assassin's Creed. Mais il ne s'arrête pas là. Il double également Nathan Drake de Uncharted, David de The Last of Us. Attends, tu sais pas qui c'est David ? Mais si, c'est lui, le méchant. Hello? We just want to talk. Je m'arrête là, mais si vous voulez voir tout ce qu'il a doublé, je vous mets le lien en description, il y en a énormément. Numéro 4. Beaucoup, beaucoup de jeux. 11 jeux consoles, rien que ça. En comptant Odyssey, le prochain opus qui sort en octobre 2018. Le premier Assassin's Creed date de 2007. 11 ans que la série existe pour 11 jeux. Ça carbure chez Ubisoft. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu au moins une bonne douzaine d'autres titres, principalement sur mobile. Numéro 5. La fin. Bien que Assassin's Creed ne semble pas se terminer de sitôt, il semble que la fin de la série ait déjà été écrite. Alors, c'est plutôt bien dans le sens où la série sait où aller. Maintenant, je pense pas qu'on soit prêt de la voir, la fin de cette série, qui rapporte honnêtement beaucoup trop à Ubisoft. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Suis-moi également sur Instagram, c'est là où tu retrouveras tous les jours une nouvelle publication. Allez, salut !